Bon, alors en principe, je suis ange direct. Je confirme bien. Ouais, je suis bien en direct. Donc bonsoir à tous. Enfin, pour l'instant, bonsoir à personne, surtout. Enfin, bonsoir Vandal, ouais, ça va. Schizophrénie, tout ça. Alors donc, on se retrouve pour du Dark Souls 2. Hein. Tout simplement. Alors, juste. Juste calibrer quelques trucs. Hop, hop. Hop, bon. Bah, on n'a pas grand chose à modifier, donc pour l'instant tout est bien, tout est bien. Donc, je ne veux pas perdre de temps, moi. Parce qu'il y a les cinématiques et tout. Bon bah, moi j'ai envie de dire, eh ben on est parti. Et puis c'est tout. Ouais, nouvelle partie. Perhaps you've seen it, maybe in a dream, a murky, forgotten land. Where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate.
the fate of the cursed. On est là. Donc on est arrivé à l'orée. Pour l'instant, bah, on va commencer à avancer hein, tranquillement. Pour l'instant, on n'a pas encore de classe déterminée. Hein, c'est... De toute façon, ça vient rapidement. Donc quand vous attaquez pas les chars, ils vous font rien. Donc ça va. Bah, par contre, attends, il n'y a pas un truc. Voilà. À récupérer ici, je crois que c'est une pièce rouillée. Allez, hop. Bon, je vais un peu vous expliquer quand même, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient trop Dark Souls, hein. Donc un haut à gauche, donc la barre rouge, bah, c'est ma vie. Pour l'instant, elle est de moitié, c'est dommage qu'on soit comme ça. Et là-bas en dessous, c'est la barre d'endurance, la barre de stamina. Quoi, donc c'est ce qui détermine, par exemple, quand je cours, elle s'épuise, quand je fais une roulette, elle s'épuise. Une bien méchant. Allez, c'est parti. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the curse. What is your name? Le nom, alors en plus j'ai même pas réfléchi à quand j'ai appelé mon personnage là. Comment je vais t'appeler? C'est une bonne question. Ah, je sais pas quand je vais appeler. Ah tiens, bah, si je sais. Alors, si je peux pas écrire ça, c'est un truc. Voilà. Les petites dédicaces à nous. Voilà. Voilà. At least you know your own name. Bah non, j'ai pas de celle au de cross, hein. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back.
deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ah bah voilà. Maintenant que j'ai, je vais juste m'occuper de la porte, mon personnage, de la classe, je verrai après. On va le faire en baraque. C'est un peu bizarre. Ouais. Comme ça. Dans ce cas, je vais juste déplacer. Je vais baisser le son du jeu. Hop, check. En principe, on devrait mieux m'entendre. Hop là. Alors, voilà, je garde. Couleur de la barbe. Ouais. Alors. Ça change pas grand chose. Bon, tant pis. Non, pas de tatouage. En plus, bon, les tatouages, c'est vite fait. On a pas beaucoup de motifs. Hein, ça... En plus, on le verrait même pas. Voilà, donc ça sert pas grand chose. Hop, ensuite, paramètres avancés. Non, ça on s'en fout. Alors. Donc là, je vous montre un peu toutes les classes qui sont disponibles. Hein, donc. Vous pouvez voir la description en dessous. Je vais pas prendre un sorcier dans ce... Explorateur. Et mon genre, alors lui c'est vraiment, c'est, je commence, je suis dans la merde quoi. Mais au moins vous pouvez voir que en bas à droite, vous pouvez voir également qu'en fait que tous ces stats, enfin les stats, donc le cœur c'est quoi, sa vitalité, l'espèce de jambe c'est quoi, c'est je crois que ça doit être la vigueur, quelque chose comme ça. Je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas trop relancé Dark Souls 2, donc faut que je me remette dans le bain également. L'étoile c'est la foi, l'espèce de biceps c'est pour la force, la main ça représente la dextérité. Quoi d'autre, je crois que l'espèce de bouquin ça représente l'intelligence. L'intelligence ça sert à lancer les sorts. Mais pour le type de personnage que je vais faire, ça va surtout être la force et la dextérité. D'où le bruteur que je vais prendre. Ensuite, donc ça c'est les dons, donc à notre vie, bon, voilà, ça me donne un petit peu de vie, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Les fiches humaines, bof, je pourrais en récupérer dans le jeu, ça sert pas à grand chose. L'outil de soin, ça c'est plus pratique déjà. L'âge du retour, c'est l'objet qui vous permet de voyager de feu de camp en feu de camp, enfin, pas de voyager de feu de camp en feu de camp, mais de revenir au précédent feu. Ça, je me suis jamais posé la question. La ceste de feu, ça c'est pour une sorte d'objet qui passe la zone où vous êtes. En New Game Plus, c'est-à-dire en fait vous avez le New Game Star, bah, le New Game Plus c'est le jeu est plus difficile, etc. Ça. Donc moi je prends les outils de soin. Hop. Et bah je pense qu'on est bon. All people come here for the same reason, to break the curse.
You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Mais se fout de ma gueule en plus. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Ouais, j'ai pas trop compris d'ailleurs. Alors donc ça, si je reçois tout ça, bah, c'est parce que j'avais acheté une édition spéciale, c'était quoi, la Black Armor Edition, je crois. Ça me donnait le droit à des objets supplémentaires. Alors donc je vais chercher des objets en haut, enfin un seul surtout, dans les coffres. Après c'est une effigie humaine, dans le genre. Voilà. Juste enlever le ça donc hop. Je check quelques trucs, je regarde. Ouais, donc j'ai ouais. Bon, sur ce, bah, maintenant qu'on a vraiment notre personnage de créer, hein, contrairement au premier, là, c'est, on a un petit temps d'attente, hein, c'est pas méchant. Ouais. Donc, pour cette aventure, on va se la jouer, on va essayer de la jouer ambidextery, armure légère, et peut-être au gré de mon envie, je changerai peut-être, je resterai que, enfin, je pense déjà rester sur une armure légère, peut-être conserver une seule épée ou un truc comme ça. Mais je pense, franchement, jouer au bouclier, bon, c'est un truc ultra safe, et bon, faut rajouter un peu de piquant un petit peu. On est à Majula, on va dire une des zones principales du jeu, on va revenir souvent. Déjà, petit objet là. Voilà, quelques trucs ici, hop. Là, ça c'est quand on prend le clair, on peut avoir sa masse et sa cloche. La cloche, ça sera caster des miracles. Principalement. Après, on peut également caster des maléfices. Donc, contrairement au premier, là on a juste besoin d'allumer le feu et ça va considérer comme un checkpoint. On est obligé de s'y reposer. Ça, c'est pas mal. Are you the next monarch? Sans bouger les lèvres. Or merely a pawn of fate. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Go and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Voilà, donc ça c'est un message Art d'Emeraude. Là j'ai jamais vu ce qui se passait si on l'a tué, si on peut plus augmenter de niveau, parce que c'est. Maintenant c'est plus au feu de camp qu'on augmente de niveau, hein. c'est auprès d'elle. Bon, j'ai jamais essayé, faudrait que je teste un jour. Donc avant de se lancer vraiment dans l'aventure.
Je récupère quelques objets par-ci par-là qui pourront nous être pratiques. Hop. Ah, les autres joueurs tour, ça c'est trop là. Bah, quand même, on peut dire que Dark Souls 2 il a rien à voir avec son prédécesseur. Je sens qu'il y a eu un fragment d'âme à récupérer quelque part, c'était par là. Ouais, pas là. Si. Ouais, même une gemme de vie, c'est parfait ça. Ah mais voilà. Là on récupère un fragment d'estus. Donc les fioles d'estus, contrairement au premier, donc là elles sont un peu livrées en kit. Là, je peux utiliser. Elles sont un peu livrées en kit, c'est-à-dire que en fait on doit récupérer des fragments pour augmenter la quantité de fioles d'estus dont on dispose. Dans le premier on pouvait en avoir 5-10 tranquillement, bah là c'est faut vraiment parcourir le jeu pour trouver les fragments de fioles d'estus. Ensuite ici on peut rejoindre un serment. Moi je pense que je vais le rejoindre d'ailleurs en attendant. En attendant de trouver le serment solaire. Hop. You have that distinct scent. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days. There are very few places like that. Alors donc si on examine cette stèle, ça nous indique en fait le nombre de morts total de tous les joueurs de par le monde. Parce qu'il y aura... Alors donc ça nous fait du... Si j'arrive à bien compter, alors ça nous fait quoi du... 175 640 092 morts. Bah ça va quand même, sachant que le jeu est sur PC sorti en avril, quelque chose comme ça, je me souviens plus de la date, c'est affreux. Allez bah tiens, j'ai dit que j'allais reprendre le serment, bah je l'ai même pas fait, tiens. Faut qu'on lui parle plusieurs fois, ça je l'avais oublié. Donc à savoir, vous aurez peut-être la rediff de ce live hein, si vous le manquez. Je promets rien pour l'instant, je vais rien. En principe, vous devriez la voir. And now, you probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anything. Salut, Lord. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but. I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive. To walk this earth. That's the real curse, right there. Encore, mais je l'ai mis à 25%. We un... And that's... Bon, j'attends qu'il termine, je fais ça. Ah, je pense que là, ça devrait être cool. Voir s'il n'y a pas moyen de baisser également via les options. En principe, c'est possible. Voilà, hop. Ensuite, alors, du coup, hop. Hop là. There are four beings.
Bon, là, c'est... bon, il parle trop, là, c'est un peu saoulant. Voilà. Je suis la voix bleue. Voilà. That is what people let the sentinel. Si tu veux. Vous pouvez carrément vous barrer comme ça pendant qu'il parle. Hein. Ça c'est. Non, j'ai pas envie de t'écouter, je me casse. Alors donc, il nous a donné un anneau. Donc le saut bleu. Donc ça augmente un peu les PV. Hein. Vous l'utilisez tant qu'à faire. Par contre, l'augmentation de PV, bah ça. Ça augmente votre barre, mais ça la laisse où est-ce qu'elle était avant. Hein. Du coup. Soit vous reposez un feu de camp pour tout récupérer, soit bah, vous craquez un objet de soin. Au choix. Salut Drago, viens. Donc les fantômes que vous pouvez voir, bah, c'est d'autres joueurs. Hein. Peut-être que vous avez, si vous avez, vous aussi vous avez le jeu, vous êtes peut-être passé ici. Hein. Ah ouais. Allez, on quitte Majula et on se dirige vers la forêt des géants défunts, je crois, c'est ça. À mon avis, ça doit être ça. Yep là. Ah, une effigie humaine par là. Dès que si vous tombez dans l'eau, vous crevez instantanément. Le personnage ne sait pas nager. Il est où le respect, Lord? Si tu veux, je t'apprendrai ça tout à l'heure. Si t'es sage, hein. Quand tu vas, Drago? Enfin, Drago, viens. Enfin, non, je vais t'appeler Drago, je trouve que c'est mieux. Après, si ça te dérange, bah. Faudra l'ancienne. C'est quand je t'esquive, là. Ça c'est les premiers mobs du jeu, ils sont pas très résistants. Hein. Faut bien qu'ils jouent leur rôle de. Oh tu débutes. Bon allez. On fait pas beaucoup de dégâts, mais à noter qu'ils peuvent quand même vous enchaîner. Hein. Là, par exemple il y a un archer là. Voilà. Il m'aura pas. Bah oui, Lord, c'est un guerrier. Tu crois quoi? On lui demande juste de savoir se battre, pas de savoir nager. Hein, sinon, bah, c'est plus un guerrier, c'est un surhomme. Mais n'empêche, vous imaginez quand même. Bah dans l'univers de Dark Souls, parce que même dans Demon's Souls, hein, on tombait dans l'eau, bah tu crevais, hein, c'est comme ça. Mais n'empêche, ça doit être drôle d'imaginer un mode aquatique pour Dark Souls, c'est-à-dire par exemple, bah, le personnage peut nager, aller sous l'eau, et du coup il pourra affronter de nouveaux mobs. Moi je dis ça pourrait étendre des possibilités. Par exemple genre un boss intégralement sous l'eau. Comme un boss dans Twilight Princess, c'était comment il s'appelait, je crois que c'était Octolant. Franchement j'avais bien aimé affronter ce boss parce que la salle était gigantesque et le combat était pas mal. Donc à votre avis, à mon avis, un mode à croix, ça serait pas mal. Bah j'espère que je vais réussir à dépasser, mais tu laisses sur quelle console Dark Souls 2? Hop. Une âme. Yep. Aïe! Ah, quand je suis foiré. Ah bah quand tu t'es foiré. Hop.
Là-bas, je récupère une épée courte, mais bon, j'en ai déjà une. Mais je crois que mes épées, en fait, ouais, sont déjà améliorées en plus 1. Ah, tu es sur PS3, c'est dommage, t'aurais pu intervenir sur le live. Mais est-ce que t'as Demon Souls sur PS3? Enfin, vraiment, je te dis, si t'as Demon Souls, il est sorti que sur PS3, donc... Oui. Hop. Non, c'est pas par là, je suis loin dans le mur. Allez, lève-toi. Et une épée brisée. Ah non, c'est une gemme de vie, l'épée brisée, c'est là en principe. Pas sûr, l'ordre. C'est bon, ça fait peut-être un ou deux mois, mais je me suis fait envahir sur Demon's Souls, donc là c'était pas un PNJ, c'était un vrai joueur. Donc ça m'étonnerait que les serveurs soient encore fermés. Enfin peut-être, hein, je sais pas, il faudrait que je vérifie. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Je récupère son épée parce que son épée elle est enchantée foudre, elle est pratique. Par contre, vous pouvez voir qui fait Bob. Vas-y, attaque. Attaque. Allez, attaque. Ah, je t'ai semé. Oui, les gemmes de vie, elles partent vite. Et voilà. Bon. Du coup, est-ce que je peux la manier? Je crois pas encore. Ouais, il me manque deux points en force. Bon, je le ferai là quand ça arrive. Yep. Et au moins cette épée, elle est, je trouve, elle est pratique. Là. Allez, on se bourre la gueule. Ils sont généreux en objet de G. Aïe, ah. J'essaie de jouer de moins en moins avec la visée, je l'utilise uniquement quand j'ai du mal. Je trouve que c'est plus pratique. Ah, raté. Mais oh, on se calme les gens. Oh les salauds. Et voilà, l'attaque sautée qui fait toujours... Enfin, l'attaque tombée qui fait toujours autant de ravages. Le coup de puissant dans le dos, c'est le backstab. Bah attends, je vais essayer de te montrer ça du coup. Hop. S'il veut bien venir. Coucou. J'essaie de faire ça. Voilà. Tu te places dans son dos. Et tu fais une attaque légère. Enfin oui, donc vu que tu joues au PS3, ça va être R1. Faut juste que tu sois placé dans son dos, t'appuies sur R1. Ton perso va faire une attaque, genre il va lui mettre un coup dans le dos. Ça va le faire tomber et tu enchaînes avec R1 et c'est cool. Ah bah salut Néo et merci. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de jeter un petit coup d'œil sur le chat quand je peux. Mais lord, faut l'excuser, hein, c'est
C'est l'ordre, ouais, c'est la simple excuse. Donc là, en principe, vu que j'ai fait des réglages de son, on m'entend bien. Alors donc, hein, je lui ai acheté surtout une clé qui va m'être utile pour plus tard, donc ça va permettre d'ouvrir les shops du forgeron, comme c'est écrit. Et je vais pouvoir crafter quelques armes. Donc là, j'utilise des bombes incendiaires, c'est pratique. Oui, donc les âmes, c'est un peu, c'est notre monnaie à tout faire, hein, pour les niveaux, pour acheter tout, tout. Et bien sûr, bah, lorsqu'on meurt, on perd tout. Hein. C'est comme un crack boursier. La référence n'était pas trop bien choisie, mais bon. En gros, comme si vous étiez, comme si vous aviez une banqueroute, voilà. Pourquoi je fais des références à la banque? Peut-être traumatisé. Voilà, un autre backstab. Il est violent quand même le backstab, ça, ça, c'est un truc hallucinant. Blah. Ah bah si t'as RT, bah je te remercie Néo. Enfin, t'as dû retweet le retweet de l'ordre, donc ça fait un retweetception. Oh yeah. Allez, un autre backstab, on se fait plaisir. De toute façon, c'est là pour eux, c'est fait pour ça. Alors ensuite, faudrait quand même que je mette en place peut-être un compteur de mort. Je pense que ce serait drôle. Ils encaissent bien quand même. Alors il a réussi à m'avoir. Oh non! Oh putain! Ah c'est drôle! Ah ça c'est épique! Ah bah comme quoi il y a une première à tout. Ah ça me l'avait jamais fait ça. Ah ça va être... ah, ça promet du lourd pour la suite. Oh ça va être génial. Allez du coup faut que je me refasse du coup. Hop. Allez lève-toi. Mais il veut même pas se lever quoi, c'est quoi ce manque de respect? Ça y est toi, Huxley Septime. Oui je stocke le chat hein. En tout cas, là, c'est. Ce fail pour un premier épisode, c'est. Enfin, premier épisode en live, c'est du collector, ça. Ah, ça, c'est vraiment très très bon. Mais non, je veux pas descendre. Voilà, hop. Par contre, j'espère qu'il va pas me le refaire une nouvelle fois, là, ce serait la honte par contre. Ah, quand même, je commence à être un peu envahi par le nombre. Bon.
J'attends qu'il tire bien sa flèche. Voilà. On est passé. Alors attention, une grosse pierre qui roule. Voilà. Ah, vous le connaissez, Exceptim, autant pour moi. Donc là, lui, je vais passer rapidement ses jacks, surtout pour qu'il me donne une clé à la fin. Voilà. Donc on devrait bientôt arriver sur un bus, bientôt. Hop. Sinon, vous avez comment sur le chat? Non, Lord, non, Lord, t'as pas... Là, c'est... Ton truc, c'est de la merde, franchement. je m'attendais à ce que tu la fasses. Vraiment, je m'y attendais. Et donc, bon, bah, tu viens derrière, bah, je te redis bonjour dans ce cas, Huxley. Installe-toi bien sur ton fauteuil, sur ton siège, enfin où t'es assis quoi, c'est... Mets-toi à l'aise. Merde, je suis arrivé discrètement. Crève. On va juste prendre les bombes incendiaires. Oula. Voilà. Donc nous avons joué les terroristes. Hop. Voilà, on a pété un mur. Genre il a réussi à m'avoir. Ah. On tombe. Alors lui c'est un boss qu'on affronte un peu plus tard. On a le choix de l'affronter maintenant. Et bah je vous sais quoi, je vais essayer de l'affronter maintenant. Bon par contre si le personnage fait le cono là ça va pas le faire. Yep. Donc je vais un petit peu me concentrer. Allez. Voir quand même qu'il fait mal hein. Oui, ils veulent planer. Ah, on se bourre la gueule. Ah bah il m'a eu. Bon bah la forteresse de fer, ouais on sait, on en est assez loin. Bon. Bon il m'a buté, du coup je le retrouverai plus tard pour une revanche. En attendant, juste à récupérer mes âmes. On arrête de fail. Je dis on arrête de fail. Oh, j'ai des jeux d'art à la tête, hein, et j'arrive à prévoir. À secours! Allez, on revient sur le devant. Ah, si j'avais une bombe incendiaire, elle explose la gueule. Et c'est pas juste avec sa lance, il a une super allonge là. En plus, il peut attaquer de derrière son bouclier, ça c'est pas très correct. Et voilà.
Mais genre, c'est des snipers, les gars. Allons. Allons. Non, ici, petit piège. Sortez vite. Parce que c'est pas des flèches qui vous envoient, hein, c'est des javelots. Donc après, il y en a 2-3 qui débarquent. Voilà. Bah ça marche quand? Bah disons que tu vois c'est exceptionnel dans le jeu, même si t'es roux, bah t'arrives à récupérer des âmes. Mais je pense que t'as un malus à la fin du jeu, genre ton jeu est s'auto-détruit, je pense, être quelque chose comme ça. Donc oui, ça risque d'être compliqué. Et salut Zappy. Check. Ah! Putain, il est plus de la gueule ce coffre. Fragment de titanium, ça va nous servir à crafter. Oui, des fois frapper à la porte, ça peut fonctionner. Vous avez... En principe, la porte devrait s'ouvrir. Voilà. Des fois, ça fonctionne. Putain, je vais presque mourir avec mes conneries, moi. Il se protège un peu trop avec son bouclier. Oui, suivez le conseil de l'ordre, mais par contre, bon. Pour l'argent, on va pas en parler tout de suite. Chut. On va pas parler tout de suite de l'argent, hein. C'est... Alors. Ensuite. De toute façon, j'ai un peu de routing prévu. C'est vraiment. Allez, YOLO Freestyle. Donc en fait, je vais d'abord faire une sorte de mini épreuve. C'est quand je vais passer la porte là à côté. Et bah, c'est une sorte d'épreuve. Et quand je l'aurai réussi, je vais récupérer un objet, je pense, fort intéressant. Ça s'appelle la statue de marque blanche. Donc la statue de marque blanche, ça permet de déposer votre marque, hein, votre marque d'invocation. Et ainsi, vous pouvez aider ceux qui galèrent dans le jeu. S'ils prennent bien votre marque. Vous pouvez déposer votre marque et jamais vous faire invoquer. Ça m'est arrivé. Personne ne voulait m'invoquer. Bon, c'est cool ta life. Mais bon, on continue. Hop. Ah, loupé. Si vous attendez trop, les trois viennent sur vous et vous pouvez... c'est sacrément chaud quand même de tous les affronter en même temps. Donc il en reste encore deux en haut. Ah non, merde, ils sont encore trois en haut. Et quand même, avec une armure légère, on est peut-être plus mobile, mais qu'est-ce qu'on prend cher. Ah, c'est... bon, c'est... Et par contre, là, on va passer à épée courte. Aïe. D'accord, mon perso... LED, il a bugué. Ah, et au revoir Zappy, hein, c'est ton passage, je suis... bref. Et hop. Donc, I survive. Et maintenant, on va lui reparler et va nous filer ça. Well, I hope that... Be careful out there.
Et donne-moi mon objet. Un peu pour ça que je suis venu. Est-ce que j'ai mes œufs du retour? Non. J'y vais. Hop. Ah ça va, t'as une folle soirée, Lord. Cette stream m'assure que tout va bien. Pourquoi F5? Tiens, ah ouais, l'arbalète. Merde. Ce réflexe de malade. Oui, d'ailleurs, après, Lord va faire un passage sur le stream, il va vous chanter toutes les femmes de ta vie, vous allez voir, il a une voix mais sublime. Ah, vous allez adorer. Hop. Ah, ils sont tous tombés en fait en essayant de me suivre. D'accord. Persemail. Genre il m'a fait un contre. Non, logique, on va le laisser tranquille. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir ce que ça donnait ce sérum sur la FF8. Faudrait que j'aille voir, faudrait que j'y retourne un de ces jours. Hop, ok, j'ai fait un tour pour rien, c'est génial! Faut courir! Yep. Voilà, un petit raccourci. Ah mais merde, il me poursuit en plus. Il essaie de m'attraper. Ça y est, il saute et il me défonce. Il fait flipper mon perso. Et voilà. Non mais je vais pas ouvrir, je m'en fous de ça. Tiens, on va utiliser une effigie humaine. J'en ai combien? 4? Bon, ça va. J'ai retrouvé mon humanité! Déjà, si on invoquait quelqu'un. Euh...
Moi, le niveau maxial que j'ai pu atteindre en une partie, je sais plus. Lunette. Je crois qu'il y a une petite coupure. Enfin, en principe, ça a dû reprendre. Voilà, trou duc. Putain! Ok. Je suis pas là, hein. Allez, les pneus! Il va s'arracher le bras. Voilà, il s'arrachait le bras, hein. C'est normal. Hein. Pour nous mettre des mandales encore plus violentes. Et voilà! Ah!